Du sein de l'immeuble de l'église à Adjamé, les frères venant des nations se déplacent chaque jour vers le site. Depuis le début de cette 15e édition de la croisade renversement des principautés personnelles et familiales 2023, le temple de l'église à Adjamé fait office de base de logement. De la croisade de renversement des principautés, et on est logé ici au temple à Adjamé. Donc on est en train de se prêter pour aller au lieu de combat à Tchékoua. Donc nous voilà en chemin. Mendy, venant du Sénégal, prend son départ depuis sa chambre aménagée pour l'événement de 40 jours. Tout comme les autres résidents des chambres de retraite, Olive sort de la sienne. Oui, c'est le site où se trouve le temple de la CMC à Dijon. Nous sommes dans les chambres de retraite. Dans la chambre de retraite. Dequadio descend les escaliers pour se rendre dans le bus apprêté à cet effet. Là, on va sur le site à Tchékoua là pour faire au moins la croisade pour laquelle nous sommes venus. À Tchékoua, ce samedi 15 juillet, les frères des délégations venues des autres nations vivent allègrement la croisade. Les impressions des uns et des autres enrichissent. Et à leur retour dans leur nation, les témoignages de la manifestation de la présence de Dieu par le réveil se vit. Mes attentes, c'est que le Seigneur me rencontre, que je puisse connaître une nouvelle relation avec Dieu et que je puisse faire un bond en avant par rapport à l'appel de Dieu dans ma vie, mon ministère, ce sur quoi Dieu m'a placé au Sénégal. Comme l'exemple du Sénégal qui compte en un an la conversion en masse des personnes. Gloire à Dieu. Nous voici en route. Nous partons au village appelé Kamboua. Alléluia. Le frère Sada, ici le frère Jean-Marcel, ici la sœur Ousseï, la sœur Nyoulou. Et la sœur Dienaba. Et là, c'est notre chauffeur. Gloire à Dieu!